Merci Seigneur. On nous prie. Seigneur, merci pour ta parole, ta fidélité. Merci encore pour compassion pour chacun de nous qui ici. Nous bénissons Seigneur parce que c'est vous qui t'es voulu nous ici. Et on y a un mot pour nous. On y a une parole battue nous. Donc Seigneur, que tes paroles là prêchées avec pleine puissance, autorité, touchez chacun de nous. Permette papa bon Dieu côté un homme, une femme, un frère, une sœur. Yon qui a écouté, toi peux toucher, édifier par ta parole. Seigneur, merci encore pour ton Saint-Esprit. Seigneur, guide-nous par ton Saint-Esprit. Et quitte Saint-Esprit pour ministrer by chez nous. Nous avons oui, messieurs, c'est grâce. Nous prions en nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous apprenons. Juste Genèse chapitre 3, c'est Suzy. Pour gagner un temps, nous allons simplement lire en français bon matin. Donc, vous, les saints, les on peut suivre avec nous en Bible, Genesis chapitre 3. Rapidement. Genèse 3, versets 1 à 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous.
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alléluia. Le mystère entre l'homme et la femme dans le jardin de plaisir. Comme nous te gardé dans le chapitre 10, nous sommes chapitre 1, 10 et nous ou 3, la création, comment bon Dieu créé des choses, chapitre 1. Et à l'ordre, il parlait dans le chapitre 2, comment bon Dieu, après il a créé l'homme, en disant, Dieu créé la terre et ciel, etc., avant de créer le jardin, il créé l'homme. Amen. Nous sommes en chapitre 2. Dieu créé la terre, ciel, pied, bois, tout bagaille. Il a créé tout bagaille. Mais jardin même, il dit il a créé un jardin pour nous, nous il était pas un homme et il mettait en tête jardin en l'est à l'Orient. Et pour nous, il mettait là et c'est là il mettait nous en chapitre 2, nous il créé jardin d'ouvan homme, créé les rivières d'ouvan homme et après il placé nous en dedans avec pour nous c'est ça bas en nom à tout ça bon Dieu te mettait en dedans jardin. Amen. Est-ce que nous t'es bien ouais ça chapitre 2 nous t'es ouais ça. Donc nous voyons les créations. Amen. L'homme et femme là chapitre 4 nous voyons verset 4 juste à verset 8 nous t'es ouais ça. Et aussi nous t'es ouais dans verset 7 God formed man nous t'es ouais comment est bon Dieu il formait l'homme. Alléluia. Mais la vie en les femmes, il était fait ça construit, il fait en manière particulière par rapport hébreu. Amen. Donc et l'homme pour faire l'histoire courte, il était en dit dans jardin parce que nous pas caille retourner là, nous pas ni beaucoup de temps et nous ouais, il était en dit dans jardin avec yo tous les deux bible d'où il était nu. Et yo pate honte. C'est bien ça? Est-ce que nous trouvons ça? Yo te ni et nous yo pate honte. Jodi a nous kawe en dit dans chapitre 3, il ka dit l'autre histoire. Oui, il ka dit l'autre histoire. Même ces noms ta la qui te ni, yo pate honte, il y a un bagay qui trouve l'homme. Nous kawe chapitre verset 1 à 5, il parle about the fall of man, la chute de l'homme. La chute de l'homme, the fall of man, verset 1 jusqu'à 5, ou kawe, comment nom qui te koyo Cédri. The truth from the enemy could be deceptive, so be careful who you are listening to. La vérité venant de l'ennemi pourrait être trompeuse. Alors faites attention à qui vous écoutez. C'est ça. Il y a des gens qui disent, on chaque monde qui dit, l'ennemi menti, l'ennemi fait ci, l'ennemi fait ça. Vous savez, plus peur de les ça qui a détruit nous, c'est la vérité nous t'en dit. On moun met ou tani de qui et qui manière il fait vérité à passer. Aïe aïe aïe. Ou pas comprendre ça. Donc nous voulons découvrir quelque chose. Satan il y a une stratégie là il veut prendre. Ou savez de les sous garder avec un moun qui a menti ba ou hawe c'est manchons qui a dit ou a dit mais où ça quoi dit là on a menti mais c'est ça pas une pièce vérité moi où sont croyants ou quoi ouais mon a vécu non oui ou non mais si ou quoi mon a cadou vérité et ou carré vérité a il a prouvé ou vérité a ou carré t'es qu'à coûter parce que quand même on l'autre message quand même on l'autre message mais nous voulons découvrir quelque chose
qu'il est important. Là, regardez verset 4 et verset 5. Tenez ça. Quelle question Satan posait? The serpent said unto the woman. Là, avant, il posait. Quelle question Satan t'a posé avant verset 4 là? Avant Satan commencer à parler. Là, regardez dans le commencement. À partir du verset 1 et 2. Qu'est-ce que Satan dit? Dieu a-t-il réellement dit quoi? Ou pas pour manger toutes les arbres du jardin. Est-ce que c'est vraiment ça bon d'être dit dans les commencements? Donc yon, il jamais été en manière pour y joindre en information. Bien souvent, l'homme monde veut tenir baïdou, il ca poser en conseil pour y joindre en information. Pour y faire en manière pour y entrer parce que il briser dit ou un bagage, il briser vini en côté pire. Et bien voilà, c'est ça, c'est cette stratégie que Satan servit. Avec le Satan servit stratégie là, la femme commence à parler. Et c'est important, je souligne ça, il dit, est-ce que c'est réellement ça qu'on a dit à Adam? Dieu te dit à Adam, je mange fruit de la ou caille assurément. Qu'est-ce que ça va répondre à Satan? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mmh. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Oui. Il dit, bon Dieu, il n'y a pas touché, il n'y a pas rien. Ok? Mmh. Voilà. Mais il a pas bien dit, moi, Jésus me dit, oh, pas manger. Mmh. Ok? Le format dit, il dit pas toucher par là. Mais Jésus te dit, Adam, est-ce que mon Dieu n'a jamais parlé par Ève? Nous voyons ça bien. Chapitre 2, Dieu n'a jamais parlé par Ève. Est-ce que Dieu te bail Ève commandement? Non. À quel moment bon Dieu bail commandement là? À l'homme? L'œil mettait un jardin, un homme déjà créé. Est-ce que la femme déjà créée? Ok, d'accord. Et bon, on va changer dernière fois. Femme, pourquoi tu créé? Le bon Dieu dit pas toucher, pas manger la bla. Mais il ne te dit pas toucher, pas manger la bla. Ok? Donc, je ne sais pas si c'est Adam qui dit bon Dieu dit pas toucher, pas manger. Mais quand même, il dit pas toucher. Ça veut dire que si vous pas y toucher ou pas y manger. Bien souvent, je comprends le sens. Parce que bien souvent, avant, vous prenez là, vous pas toucher. Donc, il te préfère pas toucher. Mais comme en enfant, tu dis pas touche. Ne touche pas. Tu m'as raconté, mais pourquoi il a dit pas? Ne touche pas. Il même carré, ne touche pas. Ne touche pas. Mais ton tourne de, il a qu'à essayer, parce que. Il cuit. Eh bien, les hommes, t'es comme ça. Mais, ça, moi, découvert, c'est pas où était là, tant ça bien dit. Ye shall not surely die. C'est ça, c'est pour dire. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Moi, regardez dès les autres versets. Parce que la Bible nous a dit nous surely. Ou pas qu'il y a assiré mort. Ou pas qu'il y a mort. Un verset dit. Là, il y a l'autre version d'Abi qui dit vous ne mourrez point certainement. Certainement. Et qu'on l'autre version dit que c'est encore? Vous ne mourrez nullement. Ouais ça? Nous n'y plus de verset. Donc, femme là, on va comprendre. Ouais, mais. Pourquoi bon Dieu a dit ça? Là, il a dit, moi, pas mort. Bon, yon, regardez ça. On ne parle pas, il faut savoir comme. Mais c'est d'où il mort, mais l'autre a dit, ou pas mort. Ça, c'est certain. Amen. Gardons l'autre, bah, il dit. Ye shall be. As gods, vous serez comme des dieux. Ou pas mort, ou qu'il y a un dieu. Wow. Amen. D. Knowing good and evil. Connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que foot ou qu'il y a intelligent.
ou pas qu'aille mort, ou qu'aille conduire, ou qu'aille connaître les bien et les mal. Et il dit, bon Dieu, save ça. C'est Satan qui te dit ça. Amen. Est-ce que c'est en vérité? Adam ça il dit. Plus pas ça il dit, c'est vérité. Gardez verset 22. Lisez verset 22. Alors, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ah, où est-ce que Satan est amené là? Qui dit ça? Et l'Éternel Dieu dit, nom vini. Oui. L'homme vini comme nous. Mais il qui était l'homme, cette vérité-là, il qui était l'homme à quel état? Donc, on le monde qui a dit Satan menti, ben, il est venu. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas menti. Mais il dit certaines vérités. Là, il y a un bagaille, un seul bagaille, il prend. Ça veut dire que l'homme qui veut baou un poison, il a beaucoup de vérité pour un seul poison. Première parole là, il dit, c'est là Satan te veut mener. Bon Dieu te dit, ou kay assiré mort. Satan dit, ou pas kay assiré mort. Donc, pour moi, tu es, il pas kay, il veut l'homme te subit la mort, il dit, un paquet de vérité, puis te soumettre lui à un seul manchons là pour te détruire. Qui moun ou ka koute? Là ou ka koute en parole, et même si c'est en vérité, ou ka koute de qui moun? Parce que c'est pas toute vérité ou ton en moun dit qui ka fè ou di bien. Et puis tout ton en bagay, et que ça blesse ou ça détruit ou, c'est vaut mieux ou pas tani. Ecclésiaste ça dit ça connaissance plus ni connaissance plus ça fait mal. Pas ça, ça? Plus apprendre bagaille plus c'est pour ou ka fait mal ça. Il dit ba ou ka tann. Ou ka dit suite monter ça m'a pas de ka tani parce que ça fait moi trop mal. C'est pas vrai? Et pour l'instant c'est en vérité. Mais ou tann vérité de qui moun? Et bien c'est ça qui rivait Adam et puis Ève. Moi voulais garder bien the neglection of a man towards his wife in bracket to protect her against her enemies will cause him to suffer. La négligence de l'homme envers sa femme pour la protéger de ses ennemis lui fera souffrir. Vous savez, moi découvrant l'autre bagaille encore avant nous. Regardez verset 6. Retournez le verset 6. Lorsque un homme pas qu'à protéger sa ni, vous savez c'est où qu'a souffert après? Ouh, pardonne-moi. Le verset 6, qui ça dit? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Qui ça y fait? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui ça y fait? Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari. Il pas fini là. Son mari qui fait quoi? Qui était auprès d'elle. Donc, les femmes là t'es cédri par Satan, l'homme était où? Est-ce que c'est ça? Donc pourquoi l'homme qui a blâmé femme? Ah, si femme batte manger fouilla, nous pas te caille comme ça. L'homme t'es là. Idou, l'homme t'es là. Version anglaise qu'a
Adu itela. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. On that version, I do with the husband that was with her. So if you get l'homme, you tell la, l'homme ka gade, Satan ka sedui madame li, et ipakadi aye. Est-ce que ça? L'homme te la. Oh l'homme! Lorsque nous pas défendre madame nous, c'est nous qui ka souffert de me. Oh, pardon ça, papa. Lorsque nous pas qu'à protéger yo de l'ennemi, et nous qu'à quitter n'importe l'ennemi, parler à Zoyo, qu'à chouchouter à Zoyo, qui moun qui a souffert? Nous qui a souffert. Bonne fête, papa. Madou nous pas qu'à y finir. Alléluia. Papa dit nous, bonne fête, papa. Gardez ça. Bon Dieu déjà dit l'homme en chapitre 1 et verset 26. Si vous regardez bien, en termes de dominer, bon Dieu, c'est chapitre 1, en chapitre 1 verset 26 qui a fait ça. Bon Dieu te parle balé de pour te dire c'est fuck you dominé. Mais c'est comme il y a cette bail qui a un décalage par. Dans la Bible. Regardez chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Rapidement. Qui c'est qui a dit nous? Chapitre 1. Chapitre 1, verset 26. Oui. Chapitre 1. Ça m'a dit là. Voilà. Ouboni. Oui. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous les bétails, sous toute la terre et sous tous les reptiles qui rampent sous la terre. Hein? Quand t'as été? Allez, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, uh-huh. Il créa l'homme et la femme. Uh-huh. Uh-huh. Dieu les bénit et dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, uh-huh. Sur les oiseaux du ciel, oui. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que ça? Ça veut dire que tous les deux, il y a une possibilité pour te dominer. Femme l'a pas fait, homme l'a pas fait. Mais en vérité, regardez ce qui a passé. Nous avons fini tout à l'heure parce que quand nous disons que nous n'avons pas fini aujourd'hui, nous avons quitté. Quand un homme ne prend pas responsabilité, défend sa bon Dieu bail. Eh bien, ils sont en danger. If you don't protect your wife from the enemy, you will not be able to overcome her temptation. Si tu ne protèges pas ton épouse de l'ennemi, tu ne pourras pas surmonter sa tentation. Qui ça a regardé là? Tenez ça bien. Si vous pas protéger madame devant l'ennemi, eh bien, pop madame ou pas ça, vainc tentation. Satan passe par qui moun pour te gagner un homme. Donc, je vais vous dire un petit bagaille. Je vais vous faire un long bagaille. Regardez 1 Timothée, chapitre 2, verset 13 à 14. C'est là que nous avons une réponse. Car Adam a été formé le premier, uh-huh. Ève ensuite.
Ève ensuite, oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Bon, yo déjà là. Adam, c'est pas lui qui t'a séduit parce que yo tous les deux de même côté là. Mais c'est femme là qui t'a quand il séduit. Mais la responsabilité l'homme, c'était qui ça? Protéger femme li, pas quitter femme li séduit. Parce que si femme ou séduit ou pas qu'elle est avec femme. Amen. Si ou pas protégé ou obligé entrer en danger automatiquement, qui ou voulez, qui ou pas voulez? Ah non, non, on pas attendre ça, non. Oui ou non? Wouh! Hello! Comment on fait en l'air comme ça? Amen! Mais c'est réalité! Nous protéger! Alléluia! Et gardez ça, nous allons. The voice you listen to will determine who you will obey. La voix que vous écoutez déterminera qui vous allez obéir. C'est la réalité. Ça pas vrai, hein? Si vous voyez ou qu'écoutez, c'est lui qui obéit. Tout ça, tant ça. Tout ça, vous avez obéi. Écoutez, voix, mon Dieu. Vous avez obéi. Là, vous venez écouter en l'autre voix qui ne s'y obéit. L'homme pas obéi. Mais Satan fait obéir sans savoir. Parce que Satan dit, ah, je ne parle ou pas obéir, ou pas attendre. Mais comme madame, là, c'est lui qui a écouté moi, et bien, il passe par là, moi, savent qu'on aime mes femmes, et que les femmes sont faites pour un homme plaisir, moi, savent les femmes là qui s'apportent, ils bâillent. Oh, yo, il va s'apporter. Aïe, ça, toi, faut nous parler comme. Et c'est réalité. Parce que si Satan passe à point Marie, il compte il joue une faute là, madame là, c'est là qu'il est entré. Et si madame là pas qu'à baisser les bois, il qu'à chercher des issues, là il est issue, c'est là qu'il est passé. Parce que il sa maman aimé Isla de là où ça vignon et de là Satan qu'a pour ça ou aimé plus là parce que il sa il peut casso et qu'il peut virer Hen Maria. Oh yo yo. Comment foyer qui j'a brisé pour la pétion anti mamaï. Est-ce qu'on entend moi bien? Avant tout monde tout baï te calé bien, mais lorsque vini tout monde, hop baï parti. Oui. Est-ce que ou là? Donc c'est ça. Amen, amen. Ça fait moi plaisir pour la jeunesse. Papa, est-ce que ou là? Comment on regarde ça encore? Papa, est-ce que bon mon jeunesse? Papa, est-ce que là? Papa, jeunesse est autres. J'ai oublié ça, je te dis. Jeunesse, qui ça va te dire? Mais pas moi, jeunesse. Ouais. Allez, jeunesse, la paix. Voilà, merci, Bill. Zola. Amen. Gardez bien, verset 7. Alléluia. Verset 7. Leurs yeux étaient ouverts pour voir. Oui. Non. Gardez bien. Gardez ça. Their eyes were open to see their bad state. Satan dit aux yeux qu'il ouvre. Mais il pas dit au qui manière c'est qu'il ouvre et pourquoi c'est qu'il ouvre. Il garde aux yeux qu'il ouvre. Vous comprenez? Ou qu'il y a une intelligence c'est qu'il ouvre. Mais leurs yeux ouverts, quoi qui ça actuellement. Est-ce que nous voyons ça là? Verset 7. Leo ouais. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent. Yeux ouverts, mais yo moi yo ni tout. Et regardez depuis jour chapitre 2, yo étaient nus, yo pas jamais ouais yo nus. Yo étaient couverts la gloire de Dieu. Yo étaient couverts bonté de Dieu. Yo pas été ouais en pièce mauvaise l'état. Et ben là ouais on désobéit bon Dieu, là nous pas protéger. Mon et qui ça? Malgré ces femmes-là, ils doivent quitter un shit là, mais qui monde qui veut être coyoni, ils ont tous les deux. Là où on pas protéger madame ou, eh ben c'est vous-même qui a pris en ça. Ouais ça.
Est-ce pas ça? Hein? Yo day. Faut protéger madame ou. Faut protéger madame ou. Faut tuer fort. Amen. Amen, ça. Après, they saw their nakedness and tried to cover it. Ils ont vu leur nudité et ont essayé de la couvrir. Oh, oui, parce que là où on est dans un mauvais état, vous pouvez essayer de couvrir ça. Vous essayez de couvrir un mauvais état. Yo. Hello, l'église. Mm-hmm. C'est pas ça, yo. Hein? Oui. Yo essayez de couvrir un mauvais état. Yo. Man has no power to cover his nakedness. L'homme n'a aucun pouvoir pour couvrir sa nudité. Si tout le monde a désobéi. Aïe, aïe, aïe. Qui ça nous a dit? Qui ça nous a dit? Ou réaliser, tant ça bien. Yo essayé couver nidité yo. Mais qui ça yo choisi? Feuille fig. Feuille fig. Qui ça couvre en bail? Laisse ça sec. Laisse ça sec. Amen. Mais tant ça bien. Satan dit, c'est intelligent. Mais gars intelligent yo. Yo vini ni c'est fait fig yo rapon yo vini kou yo kon passe fait fig. Vous imaginez Satan ka kouye non il ka nou ka ikon Dieu ka oui ou ka ikon Dieu oui mais là ou pou mettre hadan là ou ka mettre fait fig. Amen. Et ben ça c'est un chay femme qui rendit dans l'église là plou di yo habillé et ben plus c'est bêtise yo ka malè yo c'est rayon c'est bêtise mais tout ko yo don et ben c'est ça yo yé. Madame, est-ce où là? Oui, nous là. Mais ça, c'est fait ça parfois, avant un petit chalet, ça sec. Donc, qui me dit fait fig, de gagner pour passer? Wouh! Amen! Et gardez bien, il prend l'éternel désarmé seulement pour bien couvrir un monde. Est-ce que vous attendez moi? Est-ce que vous attendez moi? Verset 21, qui ça y dit? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Bon Dieu, couvernidité. Il dit comment fait fixe, mais ça pas rad, ça pas bagaille. Donc bon Dieu tenait pour sacrifier un animal et fait un linge de peau. Ça dirab, couvernidité. Si bon Dieu pas couvernidité au monde, ou peut pas y couver. Donc c'est pourquoi pli de là ou parler ou dire au monde mais couvrez corps mais habillez bien mais pas quitter ouais des tranches madarina ka fait bidik badama ba mais pas faire ça pli il ka senti il sexy il bien mais c'est ça mon ka senti il bien mais pourquoi dit mais ou pas ouais mais quand même amen et pauvre petit frère de les frères venir louer mais là ba la ka fait ça. Frère, pas ça. Il caresse et ferme. De là, quand le frère a loué, mais c'est pas loué, mais de là, il y a un problème avec Zieh. Amen. Qui ça? Il convoite pour un monde qui nous fait figure. Oh! Est-ce que vous avez moi? De bon Dieu, apprend le monde bien couvert. Couvert. Amen. Couvre-toi, habille-toi. Habille-toi propre, habille-toi bien. Parce que nous en présence les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Oui. Mais des galiens dit un homme, bon Dieu t'a même mettre là il fait l'homme et puis au temps autant. Amen. Alléluia. Nous pas une temps pour ça. Mais il dit après ça ni les autres mettez bon caleçon qui a sorti des pinges en tuis autres pour y veiller juste en rien autres pour monde pas ouais ni dit tes autres. Et pour moi, pas tuer les autres en temps plan. Quoi, imaginez-vous? Mais je dis, l'homme qui a venu, le monde qui a venu, n'importe manière, vous voulez chanter n'importe manière, vous voulez jouer n'importe manière, et on y bagaille, sous kawaii, vous parlez, vous mêlez, vous comprenez que de l'homme qui est plus mal couvert, c'est lui qui veut le premier. Alléluia. Donc, nous avons dit non pour faire figuer. D'accord? Donc, Marie, les maris. Là, il a sorti quand il a dit, non, c'est pas là où il a allé derrière moi et puis fait figuer là. Amen, alléluia.
Bien couvert comme parce que Maou, c'est plaisir, c'était pour vous. C'est vous tout seul. Amen. C'est vous tout seul qui n'y pouvait former. C'est vous tout seul qui n'y pouvait. Moi, pas ça, moi. Alléluia. Qui go, qui piti, qui mec, qui machin, c'est à où. Restez, couvert comme caillou. Dénidité comme caillou, souffle. Restez tout ni caillou, souffle. Pour avec Maou. Mais ici. Madame Essou là. Oui, nous là. Allez. Moi voulais finir pour parce que là ça m'a passé. Moi voulais finir pour moi dit nous pas jamais toucher ça. Regardez Apocalypse. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Où est ça? Bon Dieu pas. Où est manière? Le monde cadeau comme ça. Bon Dieu ka. Le monde cadeau. Bon Dieu ka. Apocalypse 3 verset 18. 18. Mon cadeau. Bon. L'ini en compagnie l'église qui dit bon Dieu ka condamné l'or. Il pas vloni l'or. Un like cadeau acheter l'or des moins. Ça veut dire que bon Dieu vloue belle. Mais celle ça bon Dieu pas vle c'est nidité ou dehors. Il pas vle tranche madarine en dehors. Amen. Cette Lucie là. C'est quoi que ça bombe pas? Comment on voit ça? Pas au choc. Cette lycée a goûté ça pas au choc, cette lycée. Donc, bon Dieu, pas besoin de qui là, j'ai pas au choc ou? Couvert pas au choc là. Mais oui, c'est ça. Cette lycée a goûté ça pas au choc. Oui. Amen. Parce que nous avons fait même quand le monde a fait. Vous savez, le monde qui a mis ces femmes là nudes et qui a dit qu'il a mis ses corps en valet. Vous savez, nous avons en valet. Les corps en valet, si l'on veut comprendre. Parfait comme le monde. Allô l'église. Amen l'église. Amen. Alléluia. Tout le monde même, moi toujours dit à moi, si vous aimez bien, moi je dis, la terre est bon, amen. Alléluia. Amen. Vous avez tout ça qu'il faut. Et pour les filles qui dansent là, moi si vous êtes bien, vous allez tout partout. Ça c'est pour t'amener. Alléluia. Alléluia. Après, qui s'est dit? Après, pasteur, après, ouais, madame Lima l'a habillé. Il va, ouais, comme elle vient garder bon, tout partout. Mais oui, ça c'est pour ta main. Amen. Même si Lindra, là, tu vois, Lindra fait me sauter. Moi, tu es bien. Papa, ça s'est fait au lit. Ouais. Donc, ça, comment on a eu un devant nous là? Ça s'est fait au lit. Je me dis, ah bon? Je me dis, que vous avez pris ça? On a appris ça à l'école? Où est ça? Donc, on va prendre tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, arrêtez de raconter Ishnou des baratins, raconter des bons bagailles, et puis ça répond correctement. Amen, alléluia. Donc, depuis là, je me dis, ok, d'accord. Et mais depuis là, je commence à enseigner tout le bagaille. Si vous avez appris, nous avons commencé à devancer. C'est pour vous pas? Point intelligent sous ma main. C'est mon argument, c'est toi sage. Voilà, Dieu a mandé nous pour couvrir nidité nous. Dieu a mandé nous pour nous aller. Donc, où savez l'or ou ni, verset 8 là en Genèse 3, la nidité qu'a fait moun qui a toujours caché koyo. Eh oui. Nidité qu'a privé de gloire, bon Dieu. Nidité qui a privé de grâce, bon Dieu. Nidité qui a privé de présence, bon Dieu. Lorsque vous voyez, c'est là que vous parti à l'essayer. Et pourquoi aujourd'hui, plus que vous ni, plus que vous kawe, il y a important pour vous venir en présence de Dieu. Donc,
bagay la tourné en ti manière l'enfer. Malgré nudité l'homme, bon Dieu si tellement compatissant, verset 9 et 10. Dieu qui a fait un appel à l'homme. Dieu qui a venu à l'homme quand même. Dieu crie l'homme. Avec il dit, ça c'est appel de Dieu pour les pécheurs. Où es-tu? Oui, l'homme que bon Dieu a une responsabilité. Mais lorsque écoutez madame li c'est oui, lui-même c'est oui aussi. Madame li cache quoi, il a caché quoi aussi. Madame li wa quoi ni, lui-même il obéit madame li pas Satan. Nous en 2 Timothée dit nous, c'est madame li amen qui te obéit, mais lui obéit madame li, yo tous les deux ni. Ça veut dire que responsabilité en homme important. Coutez madame mou adon bagay qui pas droite ou qu'a trouvé corps en même l'état et puis. Est-ce qu'on ça? Est-ce que nous est ça? Et bon Dieu appelé l'homme, où es-tu? Bon Dieu pas crié femme là. Hein? Il dit Adam. Est-ce qu'on capte, c'est pas vrai? Qu'est-ce que bon Dieu dit? Adam, où es-tu? Donc mon cas dit pour l'homme, où es-tu ce matin? Contrôlé. Est-ce que vous avez pris engagement du bout défendre femme du bout pour femme pour avoir un bon mariage pour avoir un bon foyer pour avoir que Satan pas entré et détruit foyer? Où es-tu? Bon Dieu, merci.